Les amis, on se retrouve pour Eldo sur God of War Ragnarok. J'espère que ça vous plaira. Punch vidéo. Pas prié. Tu dis avoir un poème favori de chez toi. De quoi parle-t-il? D'un général habile. D'une guerre pour un amour interdit. Je crois que j'en ai ouï dire. Fait-il mention d'un cheval qui n'était pas ce qu'il semblait être? Oui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ah, il relate donc un fait réel. Et tu y étais? Oui. Ça lâche pas si je suis venu ici. Si ça, je crois, c'est le truc du début, ça. Ouais. Simplement pour conclure cette histoire que je vous racontais, les sorcières firent croire au baron assassin qu'il était invulnérable. C'était faux. Il allait la prendre à ses dépens. Ça suffit pour l'instant. On se concentre. Parce qu'il faut que je me retrouve. Simplement pour conclure cette histoire que je vous racontais, les sorcières firent croire au baron assassin qu'il était invulnérable. C'était faux. Il allait la prendre à ses dépens. L'histoire s'acheva dans un fantastique bain de sang. Le baron se fit décapiter, et son nom fut tant maudit que nul n'ose plus le prononcer. Tout cela grâce à un subtil mensonge prophétique. Un jour, il faudra que tu écrives toutes ces histoires, Mimir. Merci. C'est en cours, mais ma mâchoire fatigue vite. À mon avis, c'est là où il y a la deuxième bête, je pense. Mais oui, je suis déjà venu ici. Putain. Je vais peut-être aller jusqu'au bout finalement. Oui, c'est ça en fait. Regardez, j'ouvre ma chambre, j'ouvre ma fenêtre parce que... Qu'est-ce qu'il fait chaud dans ma chambre? Que penses-tu de ton beau? Ouais, c'est là où j'ai galéré. C'est parfait. J'ai toujours su que Sindri était un forgeron exceptionnel, mais manier ce bouclier magique me paraît naturel. Le bouclier est de bonne facture, mais c'est toi qui le manies avec dextérité. Merci. Je me grouille, mais oui, ça c'était... Oui.
Ah oui, ok. Dis, Mimir, tu as dit que l'âme était divisée en quatre parties. Ça veut dire qu'on peut en perdre une, mais pas les autres. Oui, forme, esprit, détermination et chance. Perds-en une et c'est tout ton être qui en souffre. Cela dit, il arrive que la chance seule suffise. Comment la perdre ? La réussite ne tient pas à la chance. C'est ce que disent tous les chanceux. Je pense que c'est pas la suite. Du coup, il y a quoi là? Mimir, tu disais que l'âme de Fenrir allait rejoindre la lumière d'Alfheim. C'est parce qu'il était un loup, n'est-ce pas? Exact. S'il avait été un dieu ou un humain mort au combat, une Valkyrie l'aurait emporté au Valhalla ou à Folkvanger. S'il avait été un dieu ou un humain mort hors du champ de bataille, il aurait été envoyé à Helheim. Mais Fenrir était un loup. Son âme rejoindra donc les autres, à Alfheim. Comme celle de mère. Oui, comme celle de ta mère. Encore ces fichus drogues. Il est rapide. J'ai esquivé ta mère. Qu'a-t-il ? Elle m'évoque l'histoire d'une ville impératrice, trop furieuse pour mourir. Nous verrons. Mon frère, une idée m'est venue, et si nous adoptions une approche furtive lors de notre prochain combat ? Non. J'ai eu quoi ? Je crois que j'ai eu les trucs... genre un truc de flamme.
Bah voilà. Et là, il y a l'entrée. Une sorte de harpe. J'en joue extrêmement bien, tu sais. Non. Et je préfère ne pas savoir. De défense plus de runes, que dire de mieux. Père, tu pourrais fabriquer une lyre? L'instrument. Pourquoi ? On chasse, on s'entraîne. Ce sont les deux seules distractions que tu t'autorises. Ce ne sont pas des distractions. Oh, bien sûr que non. J'aimerais juste savoir jouer de la musique. Tu pourrais m'apprendre et... Non, c'est stupide. Oublie ça. Je savais qu'on avait oublié quelque chose. Je ne pensais pas te trouver ici, Sindri. Tu supportes. Je crois pas si bien dire. Mais Brock étant banni d'Alfheim, c'est à moi de m'occuper de toi et de ton équipement. Pourquoi Brock a été banni d'Alfheim? Oh, c'est-à-dire que... je sais pas si... Bien... Sais-tu ce qu'est une Noken juteuse? Non. Grâce à Brock, les elfes le savent. C'est quoi une Noken? Non. Alors, mon grand... Que faut-il? Que puis-je faire pour toi? Ouais, je suis pas un ami en fait. Quel homme du chaos. Ah, celui qui augmente tout, donc c'est lui qu'il faut. Ouais.
hache est de plus en plus puissante. C'est la ceinture de survie qu'il faut. Ah mais je crois que c'est ça en fait qui faisait que genre il y avait des les trucs qui ralentissaient là. Ah, c'est une bande de survie qu'il faut que j'améliore. Ouais. Là c'est pareil pour les survies radieuses. Sur la vitalité. Ouais là, ça fait tout. Ouais. Bah du coup ça ouais. Et le rond. C'est quoi qui améliore? C'est quoi qui... C'est de volonté moi qu'il me faut. Donc l'expédition je peux vendre. Bah c'est bon en fait. Par contre... L'âme du chaos. Alors 3 mais max. Et ouais ça c'est mieux sans. Ouais j'ai pas assez d'XP de Kratos. Plié, bah, que lui. Quoi faire en plus de dégâts? Enfin, un excès de rage. Ouais. Ouais, tu vois, là, je suis déjà au max. Bah, faut juste que je fasse l'homme du chaos et relique. Je gagne juste en défense. Et en chance, ouais, non. Compétence, bah, ça vraiment fera après. Donc, ouais, là, faut juste que je fasse les lames du chaos, là, lui, là, pour ça, là. Il manque quoi? Oui, il manque moins de 1000. Il doit manquer 500, même pas. Et là, relique. Ou ouais, au total, ouais, même pas 10 000, quoi. Même pas. Ok.
Nous, on est où là? Nous, c'est là. Eh, je suis perdu dans tous les mondes. Condamné, ok. Alfheim, fais voir, il y a quoi Alfheim? Bah, Alfheim, c'est là où on est en fait. Ok, y a rien à faire à Alfheim. Strond. Ok, y a rien à faire à Alfheim. Là, il y a une quête secondaire. Ok, là, c'est juste l'arbre du corbeau. Vas-y, je vais on va ici juste pour voir si on peut ouvrir un coffre avec avec tous les corbeaux qu'on a eu. Le raisonnement. Là, ça raisonne pas trop, mais là, regardez, écoutez le raisonnement. Grave stylé. Bon, est-ce qu'on a des coffres? Tu as des scories du pays, hein? Donne-moi ça. Je vais te bricoler quelque chose. T'inquiète pas. Il n'y avait pas ça avant. Ils vont quitter l'arbre. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? On les a libérés, quoi. Tu te fous de ma gueule? Ok. Oui, il en manque un. Que là, lui a dit. Hop. Allons-y. Quand tu veux. Il veut qu'on fasse quoi? J'ai pas capté. Quoi? C'était juste pour voir. Il veut faire quoi? Oui, c'est ouvert. On sera à Broc, je sais pas quoi. Alors, je suis pas assez bien. En fait, quoi, c'est juste tranquille. Ok. On visite. Voilà les canyons. Ok, non. Là, c'est là où on est. C'est ça. Voilà. Retourner chez Sindri. Mais là, c'est quoi? Ah, c'est les nains là. Ouais, y a quoi faire ici? On fait dire rien ici quoi. Ok, bah quoi elle est là. Hein. J'espère que Tyr a eu le temps de retrouver une certaine stabilité. Espérons-le. J'ai parfois cru apercevoir le dieu de la guerre qu'il était jadis, mais c'était fugace. Il n'y a rien de mal à s'opposer aux guerres, ni aux prophéties. Je peux le comprendre. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que les géants voulaient dire. Est-ce que tout le monde a oublié qu'ils avaient prédit tout notre voyage vers Jotunheim? Si les géants ont vu Tyr prendre la tête d'une armée au Ragnarok, alors je les crois. Encore faut-il convaincre Tyr d'y croire lui-même. Mon bon Kratos, il faut que je te parle. Oui. Parle. Si tu as un jour besoin de mes services et que je suis absent, j'ai installé un pratique pour que tu puisses m'appeler. Tu n'auras qu'à aller frapper d'un lancer de hache et j'accéderai à ta requête. Tu viens procéder à un lancer d'essai? Oh.
Magnifique lancer, mon bon Kratos. La maîtrise est tout. Bien, tu sais comment me joindre à présent. Cela dit, je serais ravi de t'écouter si autre chose te préoccupe. J'ai une question. Merveilleux! Je me réjouis toujours de satisfaire les curieux. Derrière la corniche, à côté de l'accès mystique, j'ai aperçu des dragons. Des dragons? Oh mais non, jeune Atreus. Ce sont des Lineworms, la portée de Nithog. Nithog? C'est leur mère? C'est exact! Elle joue également un rôle essentiel dans le cycle de vie d'Yggdrasil. Moi, je m'occupe des branches en haut, pendant que Nithog ronge les racines en bas pour contenir la pousse de l'arbre. Un équilibre délicat. Donc, ils sont gentils. Eh bien, ils ne sont pas aussi aimables que moi, mais tant que vous les laissez en paix, ils ne devraient pas faire preuve de ce que Nithog est une sévère matriarche, aussi déterminée à protéger sa progéniture et à lui inculquer la discipline. Voilà qui semble familier. Bien, je vais vous laisser faire. Je peux pas lui reparler ? Non. Ok, let's go. Oh. Oui. Ligne quand tu veux, Kratos. Prends ton temps, le ragoût n'en sera que meilleur. Atreus, mange. Doucement. Merci. Régalez-vous. Bon appétit, mes amis. Ouais. Je demande à voir. Voilà pour toi. Un repas digne d'un champion. Assez. J'ai dit que nous n'en parlerions plus. Oui. Pardon. Je ne pensais pas à mal. Je ne l'ai pas mal pris. Ce n'est qu'un mot. Un mot qui trouble ton jugement. Alors, tu crois vraiment que ça ne veut rien dire? Après tout ce que Mère nous a fait faire? Tout ce qu'on a vu à Jotunheim? À quoi ça servait? Tu ne te poses pas la question? C'est tous les jours. Mais je refuse de croire que son but était de t'inciter à prendre des risques inconsidérés. Mais si les géants comptaient sur moi? Quel géant? Moi, je compte sur toi. Ta prudence, ton jugement. Mais... je veux que tu penses comme un homme et plus comme un enfant. Et si la venue de Loki dans le bois de fer était la seule chose? Et Atreus. Énervé, Kratos. Et vénère. Et personne. C'est bien compris. Excuse. Ça m'a coupé l'appétit. Pardonne-moi, Kratos. Mes paroles étaient mal choisies. Tu dois manger. C'est une ancienne coutume. Un rituel quasi quotidien. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi parlerait-on de Loki et du champion et du bois de fer si rien n'est vrai? Il est si... Tu veux que je te donne le meilleur conseil de ta journée? Peut-être même de ta vie? Va dormir. C'est là que les troubles de l'esprit se résolvent d'eux-mêmes. Ouais. Super, dormir. C'est une bonne idée. Je suis sincère. Moi aussi. Maintenant, sors de ma chambre. Je ne suis plus là.
Qu'est-ce que... J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je n'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Que se passe-t-il? C'était un masque? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Où suis-je? Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit! Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Lamentation de gens insignifiants. On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Des souvenirs. Et plutôt des mauvais. T'as détruit la porte! C'était le seul passage vers Jotunheim! Qu'est-ce que tu veux? Lâche-moi! Trauma! Je comprends pas! Comme tu veux. 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 Eh, ne t'en va pas! Comme tu veux. Tu peux me dire où je suis? Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Tu vas t'arrêter! Quoi? Il faut que je sorte d'ici. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire. C'était sûr. Pitié, pitié, non, non. Il y a un signe. Bien mieux que celui de maman. Pitié, arrête! Qu'est-ce que c'est que ces beans? Hey, où est-ce que tu vas? Que je te suive? D'accord, on se verra de l'autre côté, c'est ça? Où sommes-nous? Est-ce que tu me comprends? Salut toi. Bon, où est-ce qu'on va? D'accord. Je faisais un rêve très étrange et puis je me suis réveillé ici. Peut-être le monde où il parlait là, ouais. Là les histoires Mimir là où là quand on meurt, genre là, Lufenrir là il est dans un truc. Ça ne peut être que ça. Et la Daronne aussi dans le même. Donc je pense, c'est ma théorie hein. Je pense qu'il parle de ça. Ça se trouve, elle est complètement fausse comme toutes mes théories. Une odeur? Quelle odeur? Oh, je pensais ça. Ça doit être Fenrir que tu sens. Ah, tiens. J'aurais voulu qu'il soit là. C'est vraiment suspect hein, qu'il parle de ça. J'ai un truc, mais j'ai pas regardé. Mais c'est vraiment suspect que, comme par hasard, il parle de ça là. Mais vous êtes nombreux, hein? C'est quoi cette odeur?
L'air ici est... Je ne sais pas. Plus doux ? C'est peut-être ces arbres. J'arrive ! Pardon. Ah ! Vous... Vous me le diriez si vous vouliez me manger. C'est une plaisanterie. Hein ? Il est clairement au repère là. Je n'avais encore jamais vu de forêt comme ça. Par ici ? Un truc d'humain, la mer, peut-être. Attends, je l'ai pas encore terminé. Skill à Wiss. Non, bah c'est pas la mer. La peinture provient de l'écorce des arbres du bois de fer. Elle absorbe Skill. Les souvenirs de la forêt, ainsi la peinture s'en souvient elle aussi. Des souvenirs du passé. Mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je n'aimerais pas le tacher de sang. Qui je crois que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Non, peut-être devant ma mère, mais bizarre. Je sais pas. Tu es plus étrange que je l'imaginais. Ah non, une mère dirait pas ça. Excuse-moi. Mais c'est qui elle ? J'ai été blessante. Non. Quelle idiote. Ah. Je suis déjà en train de tout gâcher. C'est que tu es la première personne à qui je parle depuis vraiment très longtemps, tu vois. Et étrange, ça peut être bien. Merci. Recommençons. Je suis Anger Boda. Tu dois avoir beaucoup de questions. C'est une déesse. Oui, où sommes-nous exactement? Tu auras les réponses. C'est une déesse, il me semble. Un bail comme ça. Quand tu dis que tu me connais. Je te l'ai dit. Tu auras les réponses que tu cherches, Luffy. Oui. C'est pas ton nom? Si. C'est bien mon nom. Je suis Luffy. Par ici. Je vais me débrouiller. Alors, où suis-je exactement? Il y avait cette brume étrange. Oh, on dit que Lutengarde peut être un peu dedans, mais il ne craint rien dans le bois de fer. Mais je croyais que le bois de fer n'était pas réel. C'est malin, non? Pourtant, ne cherchera pas la forêt des géants s'il pense qu'elle n'existe pas vraiment. La forêt des géants. C'est ainsi que certains l'appellent. Qu'est-ce que c'est? Une roche. Elle est grande? Je croyais que les géants n'étaient pas vraiment... géants.
Et tu fais quoi ici? Je peins, je furette, je survis, je préserve ce que je peux. Mais pourquoi tu m'attends, moi? Parce que c'est mon destin de te révéler le tien. Attention! Qui a le pas? Merci. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant de venir ici? Je survivais à Fimbulwetter. Hé, est-ce que ça existe ici? Tu sais ce que c'est? Bien sûr. Je serai juste au-dessus. Continue dans la même direction. C'est une cotte de maille? Je me demande ce que Brock et Sindri en pensent. Qui? Oh, c'est un peu comme des ongles. Un peu? Des géants de Midgard, c'est étrange. Ce sont des nains. Tiens le fort! C'est juste un truc pour mon père. Tu sais quoi? Laisse tomber. Tu vois quelque chose que tu pourrais utiliser? C'est pas mal. Merci. Ne t'en fais pas. Tiens fort! Ça marche, t'as bugué. Comment ça se passe? Super, j'ai rencontré une autre géante. C'est une audience. Non, rien. Je suis seulement content de te parler. Changer les ennemis. Ah ouais. Bien, non? Oui, je suis dans une forêt magique qui n'existe pas, et je parle à une autre géante qui est très... Ouais. Oh.
Merci. Je ne suis pas encore fait à ce nouvel environnement. Où est-ce qu'on va? Ma mère a consigné ses visions et ses prophéties. J'ai pensé que t'aimerais les voir. Où sont tes parents? Ils sont pas là. Est-ce qu'ils sont... Je sais que t'as beaucoup de questions, mais pas celle-là. Désolé. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que le dos vous aura plu.